Chers amis du potager, du paresseux, vous avez été un certain nombre à vous inquiéter par commentaires, messages, etc. sur ma disparition, entre guillemets, des antennes cet été. À cela, rien d'inquiétant, hein, ne pensez pas systématiquement hôpital, voire pire, morgue, etc. Hein, quand je ne fais pas de vidéo. Non, j'étais bien occupé à deux choses. Terminer les travaux dans la salle de bain. Alors voilà, pour pas que vous croyiez que je vous raconte que des bêtises, la magnifique douche à l'italienne dont je suis assez satisfait, hein, c'était beaucoup de boulot parce que beaucoup de découpe de carreaux, tout ça étant, rien n'étant d'équerre, absolument tout, chaque carreau a dû être découpé. Éclairage intégré, voilà. Satisfait. Ah, et puis j'en profite, hein, pour vous indiquer que cette chambre sera très prochainement à la location, enfin je veux dire pour des gens de passage qui voudraient visiter le potager du paresseux, partager un repas avec nous. J'ai imaginé un système assez simple, un droit d'entrée de 20 euros, et puis ensuite vous fixerez vous-même le prix normal mérité de la prestation. Il y aura une petite cagnotte dans laquelle vous glisserez si vous pensez que cela est justifié un billet supplémentaire. Et donc ce sera la chambre dont c'est l'usager qui fixe le prix. Pour accueillir donc une amie dépendante, je vous ferai une petite inclusion pour voir, pour vous montrer ce que j'ai fait, ce qui m'a occupé donc tout le mois de juillet. Et puis là, je reviens d'une douzaine de jours dans les républiques baltes, Riga, Tallinn, des choses que je voulais voir, à la fois par rapport à mon histoire personnelle, hein, et aussi par curiosité pour ces nouvelles républiques nouvellement entrées dans l'Union européenne. Voilà, hein, donc le jardin est resté un peu en stand-by, enfin il a vécu sa vie et on va jeter un coup d'œil sur ce que cela peut donner. Un système de ce type-là, quand on ne s'en occupe pas ou quasiment pas, mis à part bien sûr récolter un tout petit peu. Alors sur la saison, nous avons connu ici, alors aujourd'hui il fait un temps un peu automnal, depuis quelques jours d'ailleurs, mais nous avons connu une année plutôt sèche et en ce point particulier, puisque j'ai une station météo, particulièrement sèche. Je l'ai évoqué dans les dernières vidéos mises en ligne, les orages passaient par-ci, par-là. J'ai fait un point sur la pluviométrie. La station de Strasbourg-Ensheim, l'aéroport d'Ensheim, qui est à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau, a enregistré cette année, donc depuis le mois d'avril, du 1er avril jusqu'à hier, un déficit d'environ 50 mm par rapport à la normale. Et moi-même, je suis en déficit par rapport à cette station cette année d'environ une cinquantaine de millimètres. Donc on a enregistré en tout et pour tout 220 mm ici depuis le 1er avril. En dépit de cela, j'ai essayé donc de persister dans ma tactique de réserver le peu d'eau que j'avais dans mes cuves pour les deux serres et le reste, à l'exception d'un petit semis qu'on verra en bas, n'a pas été arrosé. Et on verra que tantôt il y a des effets négatifs très perceptibles, tantôt des effets négatifs négligeables.
Du côté des framboisiers du haut, comme vous le voyez, pas pris le temps de les attacher. Je vais peut-être le faire dans la journée. Néanmoins, donc la production a repris. On mange en ce moment suffisamment de framboises, mais la production a été nettement inférieure du fait que je n'ai pas installé le goutte à goutte. Je l'ai déjà dit, je le répète, le framboisier est une plante qui aime l'humidité, qui n'a pas une très grosse capacité d'absorber l'eau dans le sol et dont les fleurs avortent dès que il fait trop chaud et trop sec. Donc si on n'arrose pas, c'est le désastre. Ça a été le cas ici. Légèrement, donc ça s'améliore maintenant depuis qu'on a eu quelques pluies sur cette deuxième décade du mois d'août. Et il y a encore des perspectives. Je ne sais pas encore est-ce que je vais mettre l'irrigation ou pas. Ça dépendra. Alors je me trouve ici à l'emplacement où étaient les oignons et les échalotes que ma femme et une amie ont récoltés. Alors juste en passant ici, oignons, échalotes qui sèchent à l'entrée du garage. Donc il s'agit d'une partie de la récolte. Une partie est déjà partie, donc par donner à des amis, à la famille, etc. Mais donc vous voyez, les oignons Stuttgart Riesen, les tailles qu'ils atteignent, alors pas tous, bien sûr, hein, il y en a des plus petits, certains sont plus petits, voilà, donc ici, mais en majorité, c'est pas juste un gros oignon qu'en général je vous filme. Ici, les violets, hein, donc là aussi, belle pièce pour certains, d'autres qui sont moins gros. Alors, les violets sont moins productifs d'une façon générale. Mais ils sont plus jolis, alors je persiste à en produire. Échalotes, donc là aussi, je crois que c'est les cuisses de poulet ou quelque chose comme ça, comme variété, là, assez impressionnante. Une deuxième variété, celle-là un peu plus petite, un peu plus raisonnable, issue pour partie de mes propres semences. Voilà donc les fruits de la récolte et donc d'une production. Alors là, pour les bulbes, hein, pour oignons, échalotes, etc., sans aucun travail, arrosage, traitement, engrais, quoi que ce soit, piqué à travers le foin, récolté, basta. Les adventices s'installent parce que le foin a été largement digéré par le sol. Ah, ils ont oublié un oignon, tiens. Donc on va le ramasser tout à l'heure. Donc les adventices s'installent. Ça fait un tout petit peu sauvage, mais dans le système du potager du paresseux, on n'oublie jamais que ces plantes sont en train de faire de la photosynthèse, photosynthèse qui injecte de la biomasse à travers les racines dans le sol pour les organismes du sol, et que donc tout ça est très favorable. Donc il y a là des orties, remarquables fixatrices, enfin pas fixatrices, extractrices de minéraux dans le sol. Il y a là comme adventice des tomates, puisque ici j'avais les tomates l'an dernier, et donc maintenant que la couche de foin s'est un peu affaissée, des tomates qui sortent un peu partout. Il y a quelques autres adventices, du plantain par exemple, et il y en a une ou deux que je vais quand même combattre, parce que si elle s'installe définitivement, ça va m'enquiquiner un peu. C'est en particulier donc l'oseille sauvage, le rumex, qui fait des racines très puissantes et dont les feuilles sont extrêmement couvrantes. Donc si je la laisse s'installer, l'année prochaine, elle traversera le foin et elle occupera
un spot là de 20, 30, 40 cm de diamètre, ce qui m'embêtera. Donc je vais faire un tout petit peu avec une bêche la chasse à ce rumex, mais le reste me convient tout à fait. Je passe là-dessus avec un rouleau de foin et l'affaire sera réglée. Sur votre gauche ici, deux rangées de betteraves rouges semées à l'emplacement où j'avais filmé l'histoire des frisés sur lesquels il y avait des pucerons, des racines, semées ici le long des framboisiers, pas arrosées. Ça s'est développé malgré que les oiseaux n'ont cessé de gratouiller dans tous les sens. Donc là, il y a des belles betteraves rouges, donc une deuxième culture de betteraves rouges qui s'installe à l'ombre, on va dire, de ces framboisiers. On reviendra sur la serre plus tard. Ici, ceux qui ont suivi les vidéos, il y avait les oignons en deuxième année que j'avais plantés pour les graines, donc j'ai récolté, j'ai mis les graines à sécher. Est apparu ici un pied de tomate spontané que je n'ai ni taillé ni rien, que je laisse ici un peu en témoin. On a récolté déjà des premières tomates, l'origan, les fraisiers qui ont très fortement souffert de la période de canicule, de sécheresse, qui sont en train de récupérer. Je vous ferai deux, trois gros plans sur cette production. Donc voilà un peu ici les fraises, hein, certaines qui vont mûrir bientôt. Et là, on voit que les pluies récentes ont fait du bien. Il y en a des belles ici, donc que je vais récolter tout à l'heure pour me faire un petit bol à midi. Voilà. Ah, celle-là, elle est déjà pourrie par ces temps humides. Là, les pourritures molles, là, qui sont des pourritures bactériennes, sont très très fréquentes. Et ici, un essai involontaire. Hein. Il s'est trouvé que j'avais ici une poussée très forte d'oxalis et j'ai planté dedans du persil pour voir comment le persil pouvait s'installer sous couvert vivant. Ça marche plutôt bien. Alors tout ça en gros plan ici, donc hein, cet oxalis. Et si vous voyez ici des persils manquants, bah, il suffit de creuser un tout petit peu pour trouver les galeries des campagnols qui se sont attaquées, comme d'habitude, à mon persil. Là, il y en a une belle. Là, il y en avait une. Donc, ils m'ont sucé le persil par le bas. Et donc, j'ai au retour, là, ben là, il y a du persil qui a été grignoté. Hein. Vous voyez, séché par le bas. La racine tronquée nette. Et donc, j'ai installé mon piège, qui d'ailleurs s'est déclenché durant la nuit. Et puis, ben, pas de mystère. Un petit campagnol qui était en train de ravager mes cultures. Au passage, chose intéressante ici, ces oignons sont des oignons repiqués, hein, donc des plants que j'avais produits en terrine et que j'avais repiqué ici à un endroit particulièrement ingrat, puisqu'il était piétiné au moment de l'installation de la serre. Ce qui n'a pas empêché ces oignons de se développer de façon tout à fait intéressante, même si quelques-uns, là, vous le voyez, ont moins bien réussi, hein, celui-là, etc. D'autres sont tout à fait honorables. Il s'agit de la même variété que les petits bulbes que j'avais utilisés. C'est la variété Stuttgart Riesen, donc le géant de Stuttgart. Alors ici, après les fraises, ou même entre les fraises, les fins observateurs verront qu'il y a un certain travail du sol qui a été fait. Bah, pour une raison très simple, ici, il y avait une rangée d'ail, et ici également, des deux côtés de ce rang de fraisiers. Comme je ne les avais pas récoltés avant de partir, les tiges ont pourri sur place. Et donc, pour extraire
les bulbes, j'étais obligé de prendre une fourche bêche. J'incrusterai hein, la photo de la récolte, pas extraordinaire, pas ridicule, donc satisfaisant, on va dire. Alors voilà la récolte d'ail en train de sécher. Ici, vous voyez l'impact des campagnols. Hein. Donc normalement, il devrait y avoir une rangée et demie continue de céleri qui devrait être un peu comme celui-là. Bah, il en manque au moins la moitié. Certains ont été, ceux qui sont petits, ont été repiqués après les premiers dégâts. Et puis malgré tout, il en manque beaucoup. Ça, c'est donc le travail soigné, minutieux, méthodique des campagnols qui adorent le céleri et, comme on l'a vu, le persil. Ici, les poireaux que vous m'avez vu repiquer, dont j'avais dit qu'ils étaient beaucoup trop fins pour les repiquer, plantés ici dans le foin, rien fait depuis. On va en arracher un, celui qui est devant moi, pour que vous voyez, ah ben si j'y arrive, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà ce que sont devenus, sans aucun travail, sans aucun engrais, sans rien faire d'autre que de les planter. Et puis de temps en temps, j'ai quand même en profité pour arracher cette adventice-là, qui est une que je ne voudrais pas qu'elle prenne trop d'ampleur ici. Donc là, pour les poireaux, je dirais plus que satisfaisant. Les céleris, ce serait magnifique si je n'avais pas ce problème de campagnol. Alors, l'essai de pommes de terre sous double épaisseur de foin ici souffre, comme les céleris, d'attaques très sévères de campagnol. Ça avait commencé avant même que les plants ne se développent. Et puis, plus récemment, comme vous pouvez le voir ici, sur des pieds qui sont complètement desséchés, ça a continué pendant la croissance. Néanmoins, il reste un certain nombre de pieds dont j'attends qu'ils finissent de devenir mûrs, hein, donc que les feuilles se dessèchent davantage, que les réserves se transfèrent dans les pommes de terre sous terre et que la pomme de terre fasse une peau plus épaisse pour se conserver, pour voir un tout petit peu si là où les campagnols ne sont pas passés, cette affaire-là est productive. En tout cas, par rapport à l'objectif de la double couche de foin pour éviter que les tubercules ne verdissent, c'est absolument concluant. Je ne vois aucune pomme de terre en surface qui ne verdirait. Et comme indiqué dans une vidéo précédente, les tubercules, enfin les semences, ont traversé sans aucune difficulté la double épaisseur de foin. Donc il faut imaginer ça de foin au moment où le semis a été fait, enfin la plantation, puisque ce ne sont pas des graines, on parle alors de plantation. Et aujourd'hui, il en reste une couche beaucoup moins épaisse, mais suffisante pour camoufler les tubercules et les protéger de la lumière. C'est ça qui était l'objet de ce test. Du côté des choux, des choses tout à fait satisfaisantes. Les choux de Bruxelles là, sont en train maintenant de récupérer. Ils sont restés chétifs, ratatinés pendant toute la période de canicule et de sécheresse, mais maintenant que il pleut un peu, on les sent beaucoup plus à l'aise. Ils sont en train d'étaler leurs feuilles et de monter. De toute façon, il y a le temps hein, puisque c'est une production qui va passer l'automne et le début de l'hiver. Les choux de Milan frisés, même chose. Des chétifs parce que sans doute on le voit ici sur cette feuille morte qui reste. Gravement attaqués à un moment donné par les limaces et puis sont en train de se refaire une santé maintenant avec la réduction du nombre de limaces et
la pluie qui s'installe. Donc on les voit là aussi bien plus à l'aise. De-ci, de là, il manque un sujet sans doute à l'époque ravagé par les limaces. Ici, donc j'ai remplacé, enfin, j'ai repiqué, rempli les trous. Bon, les brocolis, c'est beaucoup moins joyeux. On a eu une très très belle récolte, donc ça devait être fin juin, début juillet, donc très très précoce. Il y a eu des repousses, on ne s'en est pas occupé. Voilà, c'est en train de, en partie de monter en graines, en partie de pourrir sur pied. Donc si j'ai un peu de temps, un de ces quatre, je vais faire un grand nettoyage dans l'espoir qu'avec l'humidité qui revient maintenant, il y ait ce qui serait alors une troisième repousse. C'est possible. Hein. Par exemple ici, on a une très belle tête qu'on pourrait consommer, récolter, qu'on va consommer et récolter. Mais l'ensemble donc est à la fois victime de la sécheresse et victime de notre absence, de notre négligence ces derniers temps. Alors comme vous le voyez ici, hein, les allées n'ont pas été tondues, pas entretenues. Je vais récupérer cela petit à petit. Shoots frisés, rien à dire, très développés, même s'ils ont souffert de la sécheresse avec des feuilles basses un peu desséchées, etc. Ils continuent, dès qu'il fait humide, par le haut, de refaire des belles feuilles tendres qui remplacent les feuilles desséchées du bas. Alors les choux cabus, une partie ici est assez développée, mais il y a eu des dégâts comme on peut le voir, les feuilles extérieures se sont abîmées, donc certains va falloir les récolter, voir ce qui est consommable. Et les autres ici qui avaient été installés dans la mâche sont seulement en train de récupérer maintenant avec l'humidité et de se développer. Donc je pense qu'ils auront largement le temps de grandir pour nous servir de choucroute. Quelques choux-fleurs, trop souffert de la sécheresse, certains attaqués par les limaces n'ont plus de cœur. D'autres ont plusieurs cœurs, donc il n'y aura pas cette année de récolte significative du côté des choux-fleurs. Donc là, je suis à la fois victime des limaces et de ma négligence en termes d'arrosage. Par terre, déjà une levée absolument spectaculaire de mâches, puisqu'on avait sur place ramassé une partie des tiges ou laisser sur place. Je vais faire un gros plan pour vous montrer ça. Voilà donc cette repousse spontanée de mâche. Mon père, je ne sais pas si c'est une expression générale, avait pour habitude de dire que ça pousse comme les poils sur un chien quand il y avait un truc dense comme ça. Donc dégagera un tout petit peu les adventices pour pas qu'elles étouffent trop cette mâche, et sans rien faire, s'annonce une récolte tout à fait spectaculaire ici en marge des choux. Mais c'est la même chose entre les choux ou au pied des choux. Donc quand on récoltera, il y aura encore là une poussée de mâche sans rien faire. Alors ici, les haricots que j'avais repiqués directement dans le foin ou à travers le foin avec un plantoir, donc positionner les graines juste au niveau du sol où c'était humide à travers le foin, et ils sont maintenant en train de produire, hein, comme vous pouvez le voir, on en a récolté déjà pas mal, il y a toujours de la production, les pieds sont bien verts, pas de maladie. Seul gros problème, donc j'ai évoqué les campagnols, bah, le deuxième problème, vous le voyez ici, et puis on le verra sous les framboisiers, c'est ici, notamment en bas, mais c'est le cas aussi en haut, un travail absolument considérable des merles qui me foutent un bordel innommable, et en particulier m'ont recouvert une partie des semis de salade où j'avais enlevé le filet
On va y arriver, hein. Donc, deuxième gros problème dans le site dans lequel je me trouve. Dès que je suis absent, les merles s'installent et quand je suis revenu, j'avais l'impression qu'ils m'engueulaient presque. Qu'est-ce que tu fous là? Casse-toi, pauvre con. C'était un peu, c'était pas la même chanson que quand je suis chez moi et qu'ils lancent leur cri d'alerte. J'étais visiblement l'agresseur chez eux. Alors ici, toujours la signature du joyeux bordel. Au milieu de ce qui est normalement ma planche d'asperges, j'avais planté une ligne continue de céleri et vous voyez ce qui en reste. Tout le reste m'a été ravagé par les campagnols. Donc il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur ce qui devait être une quinzaine au bas mot, hein. Peut-être 20 pieds de céleri. Même chose pour les asperges. Donc de temps en temps, vous avez des pieds bien développés parce qu'ils n'ont pas été attaqués par le bas. Et de temps en temps, vous ne voyez plus rien du tout parce que ces racines des asperges bien charnues, ça semble bien leur convenir aussi. Et puis ici, des haricots à rame. J'avais en projet, comme vous le voyez ici, de mettre des poteaux, de tendre un fil, puis de faire monter des ficelles. Et ces haricots à rame devaient grimper le long de ces ficelles. Ben, c'est resté dans la tête, ça n'a jamais vu le jour. Bon, je produirai suffisamment de haricots à rame au ras du sol pour récupérer les graines et pour mieux organiser cette expérience l'année prochaine. Bon, les framboisiers du bas, hein, c'est comme en haut, ils auraient dû être attachés, et puis ben, ils produisent, là, ils recommencent à produire avec l'humidité qui revient. Et là aussi, on voit le travail des merles, le BRF qui était sur le rang, est maintenant éparpillé partout, ce qui n'est pas en soi gênant. Ici, sur les framboisiers, ça n'a aucun effet négatif. Sur les semis, c'est une autre affaire. Je vais essayer de vous filmer une petite grappe là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà par exemple des grappes qui seront, enfin, dont certaines baies seront mûres très prochainement. Ou celle-ci manque un peu de lumière, hein, il fait gris au point que l'image ne sera pas très parlante. Et là, on peut très bien voir, hein, comment le BRF qui était normalement ici sur le rang a été réparti partout par les merles, la force de gratter à la poursuite des vers. Donc il s'agit essentiellement des vers épigées, c'est-à-dire ceux qui en surface vivent en surface et décomposent les matières organiques. Alors j'en profite là en bordure de parcelle pour vous montrer les galeries des campagnols, il y en a une belle qui sort ici. Il en reste des traces ici, là, partout, partout. Et en général, quand je marche, bah, tout à coup, ça s'enfonce, comme on le voit ici. Une autre zone, hein, donc près des cassissiers, en bordure du jardin, où on voit les trous et les galeries creusées par les campagnols qui rappliquent dans notre jardin à partir des prairies voisines. C'est la signature des attaques latérales régulières, permanentes de campagnols. Alors ici, c'était les oignons rouges, les deux espèces, les deux variétés, pardon, du bas récoltées. Et c'est donc actuellement l'endroit où nous déversons nos déchets ménagers pour la décomposition de surface à froid, donc sans compostage, pour ceux qui découvrent ces vidéos et cette façon de faire. Alors là, je peux vous faire quelques gros plans. La grande crainte des gens et le gros argument que j'entends toujours, c'est que ça attire les mouches. Je peux vous filmer à l'instant. Il n'y a là aucune mouche. Cela va se dessécher. Il pleut, donc ça va pas être le cas aujourd'hui, mais dès qu'il fera un peu beau,
tous ces, parce qu'il y a là plusieurs seaux de déchets ménagers, se réduisent à très très peu de choses. Les gens font toujours toute une montagne d'un petit seau de déchets qu'ils pensent composter. Dans mon système, ça représente 3 fois rien comparé à la quantité de foin qui se trouve là. C'est donc un épiphénomène dans le système. C'est un petit apport de nourriture diverse et des fois de graines qui peuvent germer par la suite, l'année prochaine, etc. Donc créer des surprises, bonnes ou mauvaises. Mais je ferai le calcul un jour. Les apports sont de l'ordre du pourcent ou de quelques pourcents de la biomasse nutritive que j'apporte à mon potager. Donc voilà ici le gros plan pour essayer de vous persuader que ce n'est pas sale, cela n'attire pas les mouches. Et s'il y a du soleil aujourd'hui, en quelques heures, tout ce que vous voyez là, y compris les pots de melon ou les feuilles de choux, sera desséché et représentera très très peu de choses. Bon, ici, vers le bas, le résultat de quelques semis de cet été, de la coriandre, très vite montée en graines, donc on n'a même pas eu le temps de la récolter. Bon, on peut toujours récolter des petits bouquets pour parfumer l'un ou l'autre plat, mais disons maintenant, il en est déjà au stade de la floraison et de la fructification. Devant moi, pour les amateurs de mâches, j'en fais partie, une belle production de mâches d'été. Ça a été semé, malheureusement, je ne note pas toujours minutieusement les différentes données, mais ça doit être un semis quelque part début, oui, première décade sans doute de juillet. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe des sélections modernes de mâches qui permettent de sauter le verrou d'été, donc des températures de sol trop élevées. Donc en général, la mâche est une culture d'automne, mais ces variétés-là, alors l'une s'appelle le Gala. Celle que j'ai ici, je crois, marche très bien. Alors j'ai un tout petit peu à cette époque-là, donc à la sortie de la canicule, arrosé parce que j'avais aussi semé des frisés et puis des scaroles non frisées, comme vous pouvez le voir, tout cela ayant été presque entièrement enterré par mes joyeux merles, joyeux fouteurs de bordel. Donc il reste à quelques petits spots là-bas derrière. J'avais laissé la Véronique de Perse que je voulais tester comme culture couvrante. C'est cette plante-là, cette rampante qui fait des petites fleurs bleues de Véronique. Et malheureusement, elle s'est trop bien développée et m'a étouffé les frisées. Donc j'ai dégagé ça là il y a quelques jours seulement. Il y a des endroits aussi où les limaces ont joué leur rôle. Plus haut, deuxième série de fenouil. Donc là, c'est un semis. En haut, j'avais préparé les plants en godets et repiqués. Là, ça, c'était une ligne de semis. Et très exactement, c'est ce qui a survécu aux attaques de limaces. Je vais peut-être vous filmer la Véronique pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Voilà donc un pied de Véronique qui a échappé à mon nettoyage. Ici, vous voyez les petites fleurs bleues que cela fait. Alors ici, une troisième tentative de cultiver des carottes, moins ratée que les autres. Comme vous pouvez le voir là-bas au bout, il y en a même beaucoup. Ici, il y a tantôt des lignes qui sont bien garnies, d'autres qui sont très pauvrement garnies. Sous ces châssis avec du grillage de poulailler pour éviter que les merles ne m'enterrent les jeunes plants, comme on peut le voir ici au premier rang. Donc,
Difficile, hein, d'installer des carottes cette année. J'ai beaucoup lutté à cet endroit-là contre les limaces. Donc là, avant de semer, j'avais mis pendant quelques jours du ferramol pour essayer de les gaver avant que les carottes n'apparaissent. Et puis j'avais surtout vers le fond là-bas, et je pense que c'est ça qui a été le plus efficace, deux pièges à bière qui m'ont cueilli une douzaine, on va dire, de grosses limaces oranges qui se réfugient dans ce no man's land ici avec le voisin, et qui la nuit faisaient une descente et se faisaient un petit ragoût de carottes fraîches qui semblait leur convenir. Donc, avec un peu de perspicacité, ferramol et piège à bière préalablement au semis, je pense que peut-être l'année prochaine, si je suis un peu plus studieux, un peu plus appliqué, cela marchera mieux. Branche cassée. Quand même, un petit mot sur le basilic, hein. Donc ici, il y avait une ligne de basilic. Vous voyez que sur la suite, cela a été grignoté, puis le reste se développe très très bien dans ce système de couverture du sol. Donc basilic avec lequel nous faisons une sorte de pesto en le broyant avec de l'huile, avec des pignons, des fois des noix cajou. Et la façon la plus simple que nous avons trouvée, c'est de les mettre dans des bacs à glaçons, de les congeler. Une fois que c'est congelé, vous mettez ça dans un sac de plastique de congélation et vous pouvez sortir le nombre de cubes en fonction du nombre de plats que vous pouvez préparer. C'est ce qu'on a trouvé de plus commode. Voilà, il y a quelques carottes là, résultant d'un premier semis ou d'un deuxième semis. Alors ici, vous vous souvenez peut-être ce qui devait être l'essai de trèfle souterrain qui en fait s'est révélé être du trèfle rouge, donc tout à fait classique de chez nous, et les semis précoces dont il ne reste plus grand-chose, si ce n'est là devant moi quelques carottes et ici encore quelques betteraves rouges qu'on peut consommer. Les salades sont montées en graines, donc je vais laisser ça fleurir pour récupérer les graines. La roquette, j'ai déjà récolté. Et sur le bord là-bas, j'ai planté quelques choux-fleurs qui ont l'air un peu en peine. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le chénopode, voilà, qui pas que j'ai un beau spécimen là, je vais vous le filmer parce que chaque fois, j'en parle souvent, c'est une des plantes qui normalement sous couvert disparaît très très vite, et là comme cette partie-là n'était pas couverte, et eh ben il a tenté sa chance. Il y en a plusieurs là, je vais vous les filmer. Voilà donc une jeune pousse de chénopode blanc, une plante donc qui se développe considérablement en jardinage sol nu. Que dans un système comme le mien, vous ne retrouverez éventuellement que dans les sillons, et qui est extrêmement facile à contrôler. Vous tirez dessus, et puis voilà, fini le chénopode blanc. Au passage, c'est une sorte d'épinard, enfin, c'est plutôt de la famille de l'amarante, et vous pouvez l'utiliser en épinard, faire une petite sauce. Et sur cet exemplaire, vous voyez déjà les fleurs qui commencent à apparaître. Alors, quand les pieds se développent et atteignent une taille qui peut être assez considérable, cette plante produit une quantité invraisemblable de graines. Et donc, un seul pied qui monte en graines, c'est un ordre de grandeur, ne prenez pas ce chiffre à la lettre, de 3 millions de graines. Et vous en avez pour 10 ans dans votre jardin. Si vous travaillez en sol nu, immanquablement, ça germera, se développera. Vous résoudrez très simplement le problème en couvrant le sol. Alors, nous voici dans le tunnel, hein, à tomates. Je rappelle que j'étais ou je suis convaincu du fait
que un des facteurs essentiels pour le développement du mildiou sur la tomate est la présence de gouttelettes d'eau. Alors, les gouttelettes d'eau résultent de deux choses, la condensation nocturne et les pluies lorsque on a une période de 8 ou 10 jours orageuse avec des pluies régulières et une température, une hygrométrie de l'air assez élevée. À ce moment-là, les spores du mildiou germent et s'installent des foyers primaires qui ensuite vont progressivement envahir la plante. Donc mon idée, c'était d'avoir ce tunnel ouvert devant et derrière et sur les côtés. Hein. Donc je rappelle que la bâche ne descend pas jusqu'au sol de façon à ce que l'air circule. Alors, résultat, première chose, je voulais que l'air circule bien entre les tomates et du coup, je les ai plantées à environ 1 mètre les uns des autres et en général, un pied de tomate est monté sur 3 branches. Donc, je taille et je fais monter 3 branches par pied que j'enroule autour de cette ficelle suspendue à la serre. Premier constat, c'est que c'est un peu trop dense par endroit selon le développement que prend la variété. Certaines devant ici sont chétives pour des raisons que j'ignore complètement, sans doute quelque chose souterrain, peut-être un campagnol qui est passé par là, qui a rongé une racine principale. D'autres sont complètement exubérantes. Alors dans les exubérantes, on connaît classiquement les tomates cerises comme celle-là, qui ne cesse de se multiplier, de se diviser. D'autres variétés, alors je n'ai pas les variétés en tête, qui se développent de façon plus importante. Il y a donc une différence variétale qui joue à ce niveau. Comme vous pouvez peut-être le voir, je ferai peut-être quelques gros plans, profusion de tomates, on en a récolté une bassine à linge hier. Et il y en a de nouveaux hein, qui sont en train de rougir ou de jaunir, parce qu'il y a aussi des variétés jaunes. Donc, on est débordé de tomates, donc chantier, atelier, coulis, etc. Et puis, je mange deux fois par jour une assiette de tomates comme plat principal. Et donc, on pourrait conclure que ce système-là marche de façon formidable. Ce que je ne ferai pas, parce que j'essaye d'être réglo avec vous. Cette année, quoi que vous ayez fait, vos tomates devraient être productives, belles et en quantité. En tout cas, c'est ce que j'observe, parce que j'ai quand même quelques pieds témoins qui sont placés en dehors de ce tunnel et qui se porte à peu près, je dis à peu près parce qu'on verra peut-être des différences par la suite, mais à ce jour à peu près aussi bien que celles qui sont sous le tunnel. Donc le fait que sous ce tunnel tout marche merveilleusement bien ne prouve absolument rien. Tant que mes tomates à l'extérieur ne sont pas ravagées par le mildiou et que celles à l'intérieur résistent, il est parfaitement incorrect d'un point de vue scientifique que de conclure quelque chose. Alors cela se dit en logique, pour ceux qui ont étudié un peu de logique, sous une formule un peu compliquée, ce que Sarah Butte zappait, si le fait A est la cause du fait B, alors c'est non B qui veut dire qu'il y a non A. En clair, si mon tunnel me préserve du mildiou, ici c'est bien lui qui me préserve du mildiou, je ne pourrais conclure que si dehors j'ai du mildiou, là où il n'y a pas le tunnel, que c'est bien la vraie cause. C'est un tout petit peu compliqué et c'est malheureusement une impasse qui est faite très très souvent. Tout le monde claironne, j'ai une méthode géniale sans avoir fait l'effort
d'une comparaison, est-ce que le fait de ne pas avoir fait cela a bien déclenché une attaque de mildiou? Je vais le traiter sous une forme moins compliquée que celle-là. Si j'avais décrété que tous les matins, au moment précis où le soleil sort au-dessus de cette forêt, je joue une sonate de Bach ici, et je pourrais prétendre aujourd'hui que cela protège du mildiou. Je pourrais aussi dire que si tous les jours à midi, en faisant le tour de la serre en marchant sur les mains, cela préserve du mildiou, ça aurait été tout aussi juste. Cette année, tout simplement, est une année où le mildiou, pour l'instant en tout cas, se fait très, très discret. Et donc, n'importe quel dispositif, n'importe quelle mesure, n'importe quelle poudre de perlimpinpin, de l'aspirine, du tranxène, n'importe quoi, cette année, vous aurez préservé du mildiou. Donc, je vous le dis, pour l'instant, je ne conclue rien du tout. J'ai profusion de tomates, je suis très content. Et on verra l'année prochaine, si c'est une année à mildiou, si ce système que j'ai installé sert à quelque chose. Voilà, c'est dit. Voilà ici, rapidement, en gros plan. Et donc là, vous voyez hein, que la serre, volontairement, hein, normalement, cette barre ici est au ras du sol. Mais donc, je l'ai mise à peu près 1 mètre, de façon à ce que l'air circule au maximum sous la bâche. Sinon, l'humidité s'accumule et le système serait contre-productif en créant plus de condensation et donc, dans ma façon de voir les choses, un risque accru de mildiou. Ici, sur le bord où la serre est trop basse pour y mettre des tomates, j'ai mis des rampantes, donc ici des pastèques, hein, première pastèque, et puis plus loin, des melons. Les melons, on a déjà commencé à les manger, un délice absolu. Et un produit que je n'ai jamais trouvé tel quel, de cette qualité-là, dans un magasin. Alors voilà ici, donc, ces melons. Alors, on en a déjà commencé à manger deux, je crois. Il en reste deux, trois, plus des plus petits qui se cachent là. Donc, il y a encore des perspectives. Pour l'instant, pas trop de maladies, mais quand même quelques taches. Et on va voir ça dans l'autre serre. Alors voilà par exemple donc un des pieds témoins qui a commencé à produire en extérieur, pas véritablement taillé, juste un peu attaché à ce piquet. Ici des feuilles mortes, mais c'est à mon avis plus une feuille qui a été cassée lorsqu'on a ficelé ça que... Ah oui, c'est carrément une branche là qui est détachée, donc que des signes de mildiou. Donc ça c'est un des témoins. Et là, vous voyez donc que devant l'abri, le tunnel, dans exactement les mêmes conditions, donc il y a le même foin mis au même moment, etc., j'ai planté quelques pieds qui sont donc mes témoins. Alors pour l'instant, a priori comme ça, ils ont l'air tout aussi sains, et ce qui m'a fait conclure ce que je viens de vous dire à l'instant. Cependant, en fouillant un peu plus, j'ai vu sur ce pied ici, on peut le filmer, des traces noirâtres qui pourraient être des attaques des foyers de mildiou que je n'ai pas vu, mais bon, j'ai pas fait toute la serre en rampant à quatre pattes pour vérifier ça, que je n'ai pas vu sous cette forme. Sur les pieds qui sont à l'abri. Donc peut-être quand même que le système va se vérifier, simplement pour l'instant, soyons prudents et attendons un tout petit peu. Ici aussi, vous pouvez voir des taches qui sont suspectes. Mon Dieu, je me demande parfois où j'ai la tête. Bon, je me rends compte au montage que j'ai oublié à propos de ce tunnel à tomates de vous faire le point sur une des choses essentielles. Parce que l'essai ne consiste pas seulement à vérifier
le fait que la protection contre la pluie limite le développement du mildiou, mais il y avait une deuxième chose que j'ai complètement oubliée. Il y a ici, par terre, sous cette couche de foin, les pieds de tomates très sévèrement attaqués par le mildiou l'an dernier. Bon, on avait évoqué le désastre du mildiou sur les pieds de tomates. La petite période de sécheresse que nous avons connue a quand même permis le maintien dans des conditions absolument épouvantables, donc de maladies, d'une petite production de tomates. Là, j'ai récolté ce matin, mais il en reste encore, comme vous pouvez le voir, sur les pieds derrière moi. Ou ici, cet autre pied qui lui aussi va encore produire un peu. J'ai voulu vérifier si cette histoire de contamination, comme quoi il faudrait soit brûler les déchets des végétaux, soit les composter à haute température, c'est une des choses qui se dit très très couramment pour limiter le développement d'une maladie telle que le mildiou. Mon idée était que dans un sol vivant où il y a ce qu'on appelle des rhizotrophiques, c'est-à-dire des organismes qui se mangent les uns les autres, se développent nécessairement, vu la quantité de d'ifs, de filaments de champignons qu'il y a, se développent donc nécessairement des organismes dits fongivores. Et je suis convaincu que parmi ces fongivores, certains sont des omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent tout, et je ne vois pas pour quelle raison ils ne mangeraient pas les spores et les restes de mildiou qui sont dans le sol. Donc ma conviction est qu'il est inutile de composter ou de brûler de la matière organique et donc d'en priver les organismes vivants du sol au motif que cela pourrait contaminer la culture qui vient. Donc ces tomates qui au jour d'aujourd'hui se portent très bien sont cultivées sur les débris des tomates gravement cramées par le mildiou l'an dernier. Je vais essayer de retrouver les rushs et de vous insérer le film de ces pieds de mildiou l'an dernier, très atteints et qui se trouvaient exactement vers le bas de cette parcelle. Donc, cette partie-là de cet essai me semble particulièrement parlant. Dès lors qu'il n'y a pas de pression de mildiou dans l'environnement, l'histoire comme quoi cela se contaminerait et deviendrait incontrôlable par les spores et par les restes de mildiou qui se trouvent dans les déchets, dans les restes de pieds de tomates, ne me semble pas du tout se vérifier, et ça, je pense pouvoir l'affirmer sur cette parcelle, en tout cas ici le 20 août. Affaire à suivre, mais il n'y a pas ici plus de mildiou qu'ailleurs, alors que il y en avait une infection hein, sous ce foin il y a moins d'un an. Voilà, donc je voulais rajouter ce point-là. Cela m'a complètement échappé hier et je me demande bien pourquoi je n'y avais pas pensé. Alors, tant le fatras de la serre du haut, qui est théoriquement la serre de forçage, il y a de tout et de n'importe quoi. Donc, des pieds de tomates qui produisent bien, très bien même, certains spectaculaires, comme vous pouvez le voir ici.
Les cœurs de bœuf, malgré leur look extrêmement chétif, frêle, on a l'impression que tous les jours, depuis 3 mois, elles vont crever le lendemain. Ben, on fait une belle production, on a beaucoup récolté dessus. Là, il reste quelques vertes et puis il y a un petit creux. Sur d'autres qui sont là derrière, la production ne fait à peine que commencer. Donc il y a là eu quelque chose de tout à fait étonnant. Le concombre qui a atteint une telle taille que je l'ai dévié par ici a chopé une maladie qui pourrait être le mildiou, j'en suis pas sûr. De même que le melon qui est par terre, on a récolté 3 excellents melons, pas très gros, on va dire comme ça, pas plus, mais le pied est en train maintenant de se dessécher sans que je sois affirmatif sur la cause, enfin la maladie en question. Sur le côté gauche, même chose, hein, ça c'était les fameuses tomates qui avaient été ravagées par le gel et qui étaient reparties de la souche. Là aussi, production, je dirais, presque exubérante. À mes pieds, le basilic, c'était le basilic à petites feuilles, a été monté en fleurs, a été récolté. On a quand même fait du pesto avec. Il y reste un peu de tout et n'importe quoi. Ici, de la coriandre qui a levé spontanément. Ici, le fameux haricot mungo que j'ai installé. Alors, chose très, très intéressante. Je vois là qu'il y a des gousses qui se dessèchent pour une raison que j'ignore. On peut être surpris de la pâleur, hein, du jaune pâle de ce haricot qui étant une légumineuse est censé ne pas manquer d'azote. Mais il faut savoir que quand on introduit une légumineuse exotique, il faut aussi introduire le rhizobium spécifique adapté à cette espèce. Et donc inoculer les graines, ce que évidemment je n'ai pas fait. C'était des graines destinées à la consommation, à produire ce qu'on appelle les germes de soja. Et donc comme je les ai cultivées pour la première fois, il y a de fortes chances qu'il n'y a eu aucune fixation symbiotique d'azote de l'air, donc aucun enrichissement d'azote, tout simplement parce que ce rhizobium, la souche spécifique qui convient à ce haricot communément cultivé en Chine, n'existe pas ici, et c'est pas surprenant puisque on n'a jamais cultivé ce haricot ici. Là, c'est du pois chiche qui lui est vert, beaucoup plus foncé. Alors est-ce que lui il s'accommode des rhizobiums qu'on a chez nous sur nos luzernes, nos haricots, nos petits pois? Je ne le sais pas, mais en tout cas, il semble mieux ravitaillé en azote que le haricot mungo. Et toujours des tomates à profusion. On verra les courgettes qui sont envahissantes. Et là derrière, donc ce qui reste de ma culture de salade, quelques pieds là-bas que je laisse monter en graines, ainsi qu'une récolte intermédiaire de haricots que j'avais faite ici sous serre et dont je garde quelques pieds pour produire les graines. Ces deux variétés-là sont s'auto-fécondes et donc lorsqu'on a une variété stable, ce qui est le cas de ces deux variétés, ce ne sont pas des hybrides, on peut aisément réutiliser ses propres semences. Et puis là, j'ai fait rapidement, à mon retour, il y a quelques jours, un semis de salade dans l'espoir d'avoir un peu de salade verte prochainement et de la garder s'il le faut, s'il fait froid, en remettant les portes à la serre. Donc ici à droite, après la porte, un des pieds de courgette, toujours en bonne santé, même si on commence à voir les premiers points de yum sur les feuilles, donc qui produit parfois plusieurs courgettes par jour. Voilà, ces petites taches farineuses que vous voyez un peu partout sont les premiers signes de yum. Ah, il y a une feuille, on le voit mieux, je vais me décaler. Ce sont donc les filaments de ce champignon parasite. Qu'est l'oïum, un spécialiste des cucurbitacées dès l'automne, dès que
il commence à y avoir des condensations. Il est très difficile d'échapper à l'oïdium. Je pourrais ralentir le développement avec des traitements de bicarbonate de potassium. Hein, je dis bien potassium parce que tout le monde utilise le sodium et le sodium est un élément pas du tout favorable au sol, alors que le potassium est un élément nutritif pour les plantes. C'est un peu plus difficile à trouver, mais donnez-vous la peine d'avoir une petite réserve de bicarbonate de potassium. Ce pied de courgette, là aussi, hein, placé devant la serre, planté très très tard, est en train de fleurir. Il y a là-dedans des petites courgettes en nombre incalculable. Donc voilà la serre à l'autre extrémité avec ce pied de courgette pareil. Hein. Si je compte le nombre comment dire, de traces de courgettes, c'est incalculable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, là, il y en a une qui pourrit maintenant. Allez, une vingtaine de courgettes déjà récoltées sur ce simple pied et il continue encore. Il est relativement peu attaqué. Ce que vous voyez là n'est pas du tout de l'oïdium. Ce sont ces petites taches blanches, mais pas ces zones argentées qui sont très communes sur les courgettes, sans que j'ai jamais su de quoi il s'agissait. Là, par contre, ça, c'est de l'oïdium. Ça, c'est le pied qui a survécu au gelé et qui semble maintenant assez mal en point. Alors ici dans le châssis, ce pied de melon, lui aussi sévèrement attaqué par je ne sais quelle maladie qui crame les feuilles. C'est possiblement du mildiou. Si c'est du mildiou, sans doute une souche ou voire une espèce différente que le mildiou qui s'attaque aux tomates. Hein. Mildiou est un terme générique. Il y a des nombreuses espèces, on va dire, botaniques de mildiou. Il y a même des genres différents qui sont appelés des mildiou. Donc, probablement, c'est un de ces mildiou spécifiques aux cucurbitacées, donc à la famille des melons, courges, courgettes, etc., concombres, qui visiblement cette année s'est rabattu sur ce pied de concombre et plusieurs pieds de melon. Ce qui n'empêche pas une production, hein. On en a déjà mangé un de ceux-là, il en reste trois, mais c'est évident que maintenant cela sonne la fin de ce pied de melon. Alors pour en arriver à la question évoquée du tunnel ouvert, même si pour l'instant je me garde de conclure, je constate quand même que j'ai ici un pied de concombre qui est gravement atteint, on va faire un gros plan, et que là-bas sous le tunnel ouvert, j'ai un pied qui se porte magnifiquement à ce jour et qui continue de produire. Hasard, corrélation, pour l'instant, joker. Ici donc une des feuilles du pied de concombre qui est en haut dans la serre, qui est plus fermée, plus sujette à la condensation. Ici dans le tunnel à tomates, donc les feuilles d'un autre pied de concombre qui, elles, sont parfaitement ou quasi parfaitement, on peut voir quelques petites taches jaunâtres apparaître maintenant, parfaitement saines et donc en tout cas saines beaucoup plus longtemps après. Difficile de conclure pour les raisons déjà indiquées, mais aussi pour une deuxième raison, ce n'est pas la même variété. Donc le hasard a fait, ce sont des plants que j'ai achetés parce que les miens avaient été détruits par les gelées. Et donc le hasard a fait que ce ne sont pas les mêmes achats et donc pas la même variété. Ce pied-là produit en toute beauté. Il y a en haut 5 ou 6 concombres qui attendent d'être mangés. Comme vous pouvez le voir, la production, pour l'instant en tout cas, continue sans aucune difficulté. Voilà, alors. Sans doute, c'est de nouveau un peu long quand je vais monter tout ça.
Et alors que le soleil revient, que conclure de cette affaire? Ben, retenez plusieurs choses. Un, je me porte très bien. Deux, le potager est du paresseux, même quand on s'en occupe pas et que ça ressemble vaguement à une sorte de friche, reste extrêmement productif. Et c'est sans doute un des avantages de ce type de système, c'est qu'il a intrinsèquement une des qualités de la nature, c'est sa très grande résilience. La résilience, c'est le fait qu'un système peut subir des chocs sans que cela ne le détruise. Vous l'avez vu, très largement de quoi nourrir plus d'une famille, parce que mes filles sont passées, des amis sont passés, et la production part par cagette entière, alors que, comme je l'ai dit, ça a été service minimum, même pas attacher les framboisiers, même pas arroser les choux qui pourtant ont souffert, même pas arroser les fraises qui pourtant ont souffert. Les attaques très très sévères de campagnols cette année sur un certain nombre de cultures et les merles qui se sont crues chez eux, des limaces que j'ai eu du mal un tout petit peu à dompter. Donc voilà, pour moi le bilan reste très très positif, même si tout n'est pas aussi présentable qu'on aimerait que cela le soit. Voilà, je vais en rester là et peut-être prochainement. Pour ceux qui sont regardé cette vidéo jusqu'au bout, sachez que je ferai quatre conférences sur le potager du paresseux à l'occasion de Bio Bernay, donc le salon bio qui se situe au Bernay à une douzaine de kilomètres d'ici. Tapez Bio Bernay en un mot sur Internet et sur Google, et puis vous trouverez les informations. Pour ma part, ce sera le samedi et le dimanche, ça doit être le 15 ou le 16, ou le 16 et le 17. Regardez, c'est mis le week-end de mi-septembre, et donc le samedi après-midi et le dimanche après-midi, j'enchaînerai quatre conférences pour initier, pour évoquer, on va plutôt dire, parce qu'en une heure c'est très difficile, évoquer le potager du paresseux, si ça vous dit. Et sinon, à une prochaine!